Ce que j'ai fait, des centaines, des milliers d'autres l'ont fait. Je suis Jean-David Morvan, scénariste de bande dessinée. Ben, je suis Dominique Bertheil et j'ai dessiné toutes les pages de cet album. Donc, je m'appelle Héloïse de la Maison, je travaille avec Jean-David Morvan sur pas mal de ses scénarios, je l'aide à la documentation. Et je travaille notamment avec lui sur Madeleine Résistante. Je m'occupe de gérer les archives de Madeleine, chercher surtout dans les archives de Madeleine, elle en a énormément. Bah, Madeleine, c'est ma co-scénariste, elle est d'ailleurs notée comme ça sur le livre. J'aurais même tendance à dire que c'est moi le co-scénariste de Madeleine, en fait, en vérité. Quand je l'ai contactée, c'est parce que j'avais vu un documentaire qui s'appelle Résistante, dans lequel elle était avec Marie-Jo Chombard-Delauve et Cécile Roltangui, deux immenses résistantes aussi. Mais Madeleine m'a marqué particulièrement, donc je l'ai appelée. Elle m'a envoyé chier la première fois, ça on l'a mis à la fin de l'album. Et la deuxième fois, quand je l'ai rappelée, elle m'a dit « Ouais, j'ai changé d'avis, viens ». Donc j'y suis allé, je l'ai rencontrée à Paris. C'était sans doute en juin 2017. Et depuis, on ne se quitte plus. Voilà. C'est vrai que quand je suis allé pour la première fois, je ne savais pas du tout ce qu'allait se passer, si j'allais la voir une fois, puis travailler sur des livres. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Voilà. On a fait un bon commando, après on a agrégé des gens autour de nous et le boulot s'est fait naturellement. C'est Jean-David qui m'a proposé, il travaillait déjà avec Madeleine et quand il savait qu'ils avaient assez de matériaux pour pouvoir attaquer la bande dessinée, il m'a demandé si ça m'intéressait de la faire, mais on avait déjà travaillé ensemble. Moi j'étais un petit peu effrayé au départ parce que c'est un projet assez conséquent et puis une période de l'histoire qui est un peu dure à affronter, quoi. Mais quand il m'a présenté Madeleine, c'était évidemment plus envisageable de ne pas faire ce projet-là. Voilà, elle est extraordinaire, son histoire est extraordinaire, elle raconte incroyablement bien, Jean-David raconte très très bien aussi avec elle, enfin voilà, super aventure. Pour travailler sur l'exposition, ce qui est génial avec Madeleine, c'est qu'elle a énormément d'idées tout le temps. Et elle a toujours, c'est évidemment elle la mieux placée pour connaître ses archives, voir ce qu'on peut, les recoupements qu'on peut faire entre les différents éléments. Et donc, il n'y a que elle qui peut dire « Ah, parler de cet événement-là, ça m'évoque un autre événement, ce serait bien de mettre ça avec ça ». Donc oui, c'est toujours intéressant de travailler avec elle, c'est toujours passionnant. Elle a sans cesse des idées. C'est vrai que quand on pense archives, on va penser photographies, articles de journaux, écrits, mais dans le cas de Madeleine, ça va plus loin que ça. C'est par exemple de la terre qu'elle a récupérée à Hanoï, au Vietnam, et qu'elle a gardée dans une petite boîte, ou des fleurs séchées du Laos, ou des objets d'artisanat qu'elle conserve précieusement. Donc quand je parle des archives de Madeleine, c'est en fait des souvenirs de toute une vie. La problématique qu'on a eue dans l'exposition, c'est que la vie de Madeleine est tellement passionnante de A à Z qu'on voulait vraiment transmettre aux visiteurs le plus possible d'éléments pour permettre de comprendre tout son parcours. Donc on a commencé par une frise chronologique qui résume sa vie, si tant est que ce soit possible de la résumer, il a fallu faire des choix. Elle était très connue d'abord juste à la fin de la guerre comme la petite fille qui a tué un soldat allemand. Donc il y avait un côté comme ça emblématique d'une gamine de 20 ans qui a mis deux balles dans la tête à un soldat allemand. Donc il y avait ce côté-là. Ensuite, elle a été grand reporter, donc elle a vraiment suivi beaucoup de choses. Après la guerre, elle rencontre Paul Éluard qui lui fait rencontrer Picasso, qui l'a fait travailler chez Aragon. Donc elle devient grande amie avec Elsa Triolet, André Violis, qui est le meilleur ami d'Albert Londres, donc des grands reporters internationaux qui lui apprennent le boulot. Et elle lui fait rencontrer Ho Chi Minh. Après, elle part en Indo. Enfin, l'Indo, c'était fini juste après, c'était 54. Donc elle part là-bas, elle rencontre l'homme qui deviendra son mari. Et puis après, elle est virée parce que les Chinois prennent le pouvoir. Bon, c'est compliqué. Et finalement, elle se retrouve en Algérie. C'est une journaliste anticolonialiste, recherchée par l'OS, victime d'un accident de l'OS, ils l'ont écrasée avec un camion dans sa voiture. Elle a été brisée en mille morceaux, après elle est allée dans les maquis Viet Cong. Donc en fait, il y a toute cette histoire-là qui est à raconter, où elle n'est plus un soldat, elle ne porte plus les armes. Mais par contre, elle témoigne des autres.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a du coup oublié sa propre guerre. C'est-à-dire, comme elle était en choc post-traumatique, ça on le racontera dans la BD, donc quasi suicidaire, presque clocharde, à la fin de la libération de Paris, elle a carrément quasi oublié tout ce qui s'était passé pour se consacrer à raconter la vie des autres. Avec une espèce de patriotisme qui m'intéresse pour ma part, qui dit j'étais anticolonialiste et c'est un patriotisme. C'est aussi le fait de ne pas vouloir que la France se comporte dans d'autres pays comme se sont comportés finalement les Allemands chez nous. Et c'est intéressant ce point de vue, parce que c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent. C'est vrai que là, on la voit avec les Viet Cong de la guerre du Vietnam. Tout ce que nous, on a vu de la guerre du Vietnam dans tous les films américains, c'était les Viet, ils sont méchants, ils nous attaquent par grappe, c'est pas vraiment des humains, etc. C'est bien aussi d'aller voir de l'autre côté, de voir qu'ils peuvent être vus comme des résistants. Après, politiquement, on peut choisir son camp. Moi, je le choisis pas, j'essaye de parler des êtres humains, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais ça vient d'une phrase qu'elle dit souvent. Elle dit en fait, j'ai rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est que je suis encore vivant pour vous raconter tout ça. Vivante, pardon, pour vous raconter tout ça. C'est ça le plus important. Mais ce que j'ai fait, des milliers, des millions, des centaines de milliers d'autres femmes l'ont fait aussi, de résister. Dans la troisième partie de l'exposition, on a pris ce parti de ne plus parler de Madeleine, ou presque, puisque certaines personnalités ont des liens quand même avec Madeleine. C'est expliqué dans l'expo. Mais on met vraiment en avant des figures importantes pour elle. Et importante à la fois dans l'histoire et de nos jours. Il y a Gerda Tarot, il y a Marie-Claude Varin-Couturier, qui est une grande féministe et pas seulement. Il y a Brigitte Friang, qui est une amie de Madeleine, qui a aussi été torturée pendant la guerre. Qui était une résistante, ils lui ont tiré dans le dos, puis après ils sont allés la torturer sur son lit d'hôpital, les Allemands, pour la faire parler. Qui est devenue aussi reporter de guerre, qui elle a sauté en parachute sur Dien Bien Phu pour aller faire des documentaires. Et elle, Brigitte, Madeleine l'a bien connue, elle l'a retrouvée un jour à Hanoï, elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle a dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et en fait, en se disant, quand on a été résistante, quand on a vu ses copains mourir, quand on a été torturé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre comme métier? Il faut se confronter à la mort, on devient reporter de guerre, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces dames-là, il y a Mila Racine et Marianne Cohn, qui sont des dames qui ont passé des enfants juifs à Annemasse pour les passer en Suisse, quoi. Et puis il y a des résistantes d'aujourd'hui. Voilà. Ce à quoi on a été vraiment très vigilant dans les résistantes d'aujourd'hui, c'est de prendre des femmes qui luttaient. J'ai aucune hiérarchie dans les causes, mais en revanche, c'est les conséquences de ces causes qui m'intéressent. Et on avait été très vigilants à ne pas prendre des femmes dont le seul finalement risque c'était de se faire couper son compte Twitter. On a pris vraiment des femmes pour être à la hauteur de toutes ces dames-là, qui ont risqué leur vie vraiment pour faire des choses, d'avoir des femmes qui aujourd'hui risquent vraiment beaucoup. Et toutes celles-là, elles sont admirables. Et il y en a plein d'autres. Il fallait bien faire une sélection, on a fait ça.